du cardio, du gainage ou encore des abdominaux avec de la musique et un coach. Voilà ce dont peuvent profiter ces sportifs de tout niveau et de tous âges chaque week-end sur un parking à Belleville-sur-Vie. Au début de l'année, plusieurs personnes évoquaient l'idée de se retrouver pour faire du sport sur le groupe Facebook Solidarité Belvigny créé lors du confinement. Un appel auquel a répondu Thierry Icoli. Il se propose d'animer des séances sportives gratuites et ouvertes à tous. Quand j'étais sur Nantes, j'étais avec un ami à moi et puis ça nous arrivait de faire quelques trainings comme ça. Et du coup, quand je suis venu ici et que j'ai emménagé ici, j'ai arrêté un petit peu. Je me suis emménagé avec ma femme. Et c'est elle qui m'a donné l'idée par rapport à la page qu'il y a sur Facebook de Solidarité Belvigny de donner des cours aux gens gratuitement parce qu'avec le Covid et tout ça, c'est pas facile, les salles sont fermées. Thierry, coordinateur en sécurité mobile dans la vie de tous les jours, est aussi et surtout un passionné de sport. Il dispose d'une salle personnelle et peut donc fournir du matériel aux participants qui, eux, doivent venir avec leur tapis de fitness, leur motivation et leur bonne humeur. Thierry Icoli leur propose différents exercices et les accompagne pendant environ 3 quarts d'heure. Franchement, c'est toujours un plaisir. Étant donné les circonstances actuelles, franchement, si on peut s'entraider entre nous et faire un petit peu de sport ensemble, tout en respectant bien sûr les distanciations, que demande le peuple ? Avec les enfants, Thomas n'est pas venu avec sa grande sœur aujourd'hui, mais on appelle Thierry Maître Gyms. Chaque week-end, le groupe s'étoffe avec des participants ravis de cette initiative. Être à l'extérieur avec du monde, ça permet voilà, de se motiver ensemble et de tenir ensemble. Donc moi, je trouve ça top. Les exercices, ils sont adaptés à tout le monde, en fait, puisqu'il y a des variations suivant la capacité de chacun. On est toujours un peu déprimé d'être tout seul. Et là, c'est vrai que l'émulation par le groupe... c'est motivant. Thierry respecte en fait le niveau de chacun et accompagne. Donc, toi aussi, t'es content, Thomas ? Oui. Tu souhaites que ça continue ? Oui. Merci à Thierry, quoi. Thierry Icoli aimerait proposer des séances dans différentes communes du secteur. Il envisage d'en organiser à Saligny, au Poiré-sur-Vie ou encore à Dompierre-sur-Yon. Merci à tous, en tout cas. Merci.